Voilà, j'ai des frissons, les gars, j'ai des frissons. Et salam le monde, ça Kimba aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec les gars, le retour, le grand retour de Big Flo et Oli avec le clip sacré bordel. Ouais, Big Flo et Oli qui avait disparu, qui avait décidé, voilà, hein, tous les deux, de s'absenter après leur dernier album. Et bon, apparemment ça leur a fait du bien d'après ce qui est dit dans la description et tout. Donc voilà, je pense que c'est un retour qui était très attendu, comme à peu près le retour de Stromae, hein. Voilà, c'est un retour qu'on attendait énormément. Et voilà, et apparemment c'est un clip assez particulier. Déjà le clip dure 5 minutes. Et rien que déjà à la première image, il y a marqué pendant une semaine on a installé sans prévenir notre studio dans un cube de verre à travers la France. On en a fait un clip. Déjà il y a un délire, tu vois. Donc on va checker ça de suite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, les frérots. Et dites-moi en commentaire si voilà, si vous êtes fan à la base de Big Flo et Oli, si vous avez énormément attendu leur retour. Enfin bref, tu me racontes ta fucking life, on est ensemble. Allez, let's go. C'est énorme quand même le délire. Je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau. Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, de l'air hésitant. Comme si on doutait devenait évident. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Ok, mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. J'aime la France. Wow. Qui est de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. Voilà, j'ai des frissons, les gars, j'ai des frissons. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie. Qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse pour être honnête. Quand la France est tendance à l'écrire avec un S. Frontière, mon padre vit en français. Espagnol, est-ce que c'est grave? Et il écrit vive la France avec une faute d'orthographe. Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales, tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical, tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein? On rejette la faute sur l'autre, mais les autres, c'est nous. Bah les gars, je me prends des claques depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du baby. Râler quand il fait trop chaud, râler quand il fait trop froid. La France, je l'aime, je l'emporte d'elle. Français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent. Voilà pour elle un beau poème. Et malgré tous les problèmes, je t'emmène dans mon sacré bordel. Waouh. Incroyable, les gars. Incroyable. Quel genre de masterclass là? L'album est bientôt fini, merci d'être encore là, vous nous avez manqué. Oh, yeah, yeah. Quel genre de masterclass les gars là? Ah les gars, franchement, est-ce que je dois même débriefer ce peuclier? Est-ce que je dois dire un truc, frère? Tout a été dit. Voilà, c'est une déclaration d'amour, bien sûr, à la France. Et ouais, on se reconnaît tous hein, dans les critiques qui ont été dites par Big Flo et Oli, dans les choses, voilà, on va dire qu'ils sont banalisés, que ce soit au quotidien, quand on râle sur certaines choses ou quoi. Enfin voilà, c'est le fait d'être français. Quand aussi on va ailleurs, on va à l'étranger, qu'on est content de trouver des Français. Enfin voilà, ça prouve en fait qu'on est fier en fait d'être français. Et je pense que
même, tu vois, cette culture de sortir le drapeau français que quand il y a des attentats, que quand il y a la Coupe du Monde, ou alors que quand c'est les fachos. Bon, c'est vrai, ça a été très bien dit par c'était Oli hein, qui a dit ça au début. C'est vrai, c'est un truc qui s'est banalisé. Et ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Le concept aussi du cube, là, franchement, je le trouve cool aussi. Voilà, se balader un peu dans toute la France, que ce soit vraiment en ville, que ce soit dans les campagnes, dans des petits bleds et tout. Non, franchement, j'ai trouvé le concept hyper lourd qui se cale très, très bien voilà, avec le titre Sacré Bordel. Et voilà, donc franchement, non, tout a été dit. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux sons que j'ai vraiment entendu de ma vie. Voilà, pour moi, c'est du même calibre que Kerry James avec Lettre à la République, tout ça. Voilà, c'est un son hyper fort et c'est l'une des plus belles déclarations d'amour à la France que j'ai entendu de ma vie, quoi, tout simplement. Donc, franchement, Big Flo Oli, grand respect et j'ai hâte de voir leur nouvel album qui est apparemment bientôt fini. Voilà, d'écouter ça, j'ai vraiment hâte. Surtout qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Big Flo Oli sur le côté voilà commercial. Mais voilà les gars, à un moment donné tu vas pas faire du rap old school toute ta vie, tu vois. Et il faut que tu grandisses, il faut que tu mûrisses, il faut que tu t'ouvres aussi à d'autres styles, à d'autres artistes également. Et Big Flo Oli ont très très bien fait le job et les mecs ils remplissent des zéniths et tout, mais à l'aise quoi, tu vois. Là quand leur album va sortir, ils vont dire voilà on fait notre tournée en une heure, tout est blindé quoi, tu vois. Et c'est incroyable. En plus ils ont même rempli le stadium de Toulouse plusieurs fois je crois, donc non, c'est quelque chose d'hors norme. Donc gros respect pour ces deux là et bien sûr c'est validé. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et en commentaire vous me dites si vous avez validé voilà le titre du duo là, Sacré Bordel les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être qu'il y en a qui ont pas aimé, qui aiment pas ce délire, bah tu me dis quand même. Et voilà, on se retrouve très très vite, n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Ça fait plaisir. Bref, c'est un game impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking béance. Jambes offensives comme un gaz de gaz, je suis explosif comme un putain de C4. Quand je pose, c'est carré, c'est impeccable. Je pose depuis peu, c'est respectable. Je tiens à mes comptes et ce ne sont pas des femmes. Je fais partie de quel team, c'est le fond.